Borayo, je suis enseignante de français en deuxième secondaire à J.H. Leclerc. Et le texte que je lirai, je voudrais le dédier à tous mes anciens élèves, tous mes élèves de l'année actuelle et à mes futurs élèves. Je voudrais faire une mention spéciale à mon élève Naomi, qui est celle qui m'a convaincue de faire cette lecture-là aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais lire pour vous le texte « Douce chaleur » de Michel Tremblay. C'était la première fois que Marie allait au château. Il va sans dire que ses parents ignoraient qu'elle s'y trouvait. Monsieur avait très mauvaise réputation. On appelait Monsieur le propriétaire du château parce que son nom était étranger, avec beaucoup trop de lettres et beaucoup trop difficile à prononcer pour les gens du pays. Et tout le monde avait un peu peur de lui. Mais qui? Quelle jeune fille élevée dans un petit village pauvre, fille de fermier et promise à un fermier pareil à son père, qui, dis-je, pourrait résister à la tentation de connaître, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, les délices d'un somptueux repas, la douce langueur d'une soirée passée auprès d'un homme, un peu vieux, il est vrai, mais très bien conservé et encore assez plaisant à regarder, qui vous chuchote à l'oreille de belles choses avec un accent étranger. Et surtout, qui pourrait résister à la tentation de passer une nuit complète dans un vrai lit? Monsieur avait promis tout cela à Marie et Marie l'avait suivi. Dans la voiture, Monsieur avait été très correct, employant toujours le terme « mademoiselle » lorsqu'il s'adressait à Marie. Et Marie s'était dit qu'après tout, Monsieur n'était pas si terrible. Si j'étais allée faire une promenade en voiture avec le gros Jacques ou avec Pierre le pied de bot, ils ne m'auraient pas appelée mademoiselle, eux. Et il y a longtemps que nous serions au fond d'un fossé. Mais avec monsieur, ce n'est pas la même chose. Il a du style, lui. Les gens sont si méchants. Ça ne doit pas être vrai que monsieur a passé la moitié de sa vie en prison et qu'il n'en est sorti que parce qu'il avait beaucoup d'argent. Non. Au fond, monsieur ne doit pas être un mauvais homme. Marie la vit dès qu'elle eut le pied posé dans le salon. Elle écarquilla les yeux en demandant « C'est quoi ça? » Monsieur sourit et lui dit qu'elle le saurait plus tard. Marie avait un peu bu. Ce vin étranger était si bon, elle se sentait si bien. Si seulement ses amis du village pouvaient la voir. Et Marie riait pendant que monsieur se contentait de la regarder. Parfois, Marie pensait, « Il ne m'a pas encore embrassée, c'est un vrai gentilhomme! » Et cela la faisait rire encore plus. Mais Marie commençait à avoir faim et elle demanda si on allait passer à table bientôt. Comme s'il n'attendait que cela pour agir, monsieur se leva aussitôt et se jeta à ses genoux. Marie fut un peu surprise et, il faut le dire, très gênée par cette attitude soudaine. Alors, monsieur commença à lui débiter des tas de phrases empoulées et prétentieuses, main sur le cœur et tout et tout. Il lui promit l'univers entier et plus encore. Et même une paire de sabots neufs deux fois l'an. Toutes ces sornettes ennuyaient Marie à un point extrême.
C'est bien beau des belles manières, des belles phrases, mais quand vient le temps d'agir, ces gentilshommes. Malgré eux, les yeux de Marie s'étaient de nouveau posés sur la chose près du foyer. C'était une robe, à n'en pas douter, mais une robe bien étrange. Vous regardez la robe? Demanda soudain monsieur, après s'être arrêté au milieu d'une envolée lyrique. Elle vous intrigue, n'est-ce pas? Oui, répondit tout bas Marie. Venez plus près, vous verrez comme elle est belle. C'était vraiment une merveille. C'était une robe de métal ou cuivre, expliqua monsieur en la décrivant, qui se tenait debout près du foyer éteint. Une robe d'un brun profond, toute sertie de pierres précieuses, aux longs plis amples et rigides. Marie n'avait jamais rien vu d'aussi beau. Et c'est bien là une robe, n'est-ce pas? Demanda-t-elle lorsque monsieur eut fini de la décrire et d'en vanter les charmes. Une robe qu'on peut porter? Déjà, Marie avait envie d'essayer la robe. Un besoin impérieux de se sentir dans cette robe l'assaillait et son regard suppliait presque monsieur de lui offrir de l'essayer. Mais monsieur ne disait rien. Si Marie avait été un peu plus observatrice, elle aurait pu discerner un rien d'ironie dans le regard de monsieur alors qu'il posait ses yeux bleus sur elle. Mais elle était tellement énervée, elle voulait tellement que monsieur lui offre, à la fin, n'y tenant plus, elle dit « Est-ce que je peux essayer la robe, s'il vous plaît, monsieur? » « Mais comment donc? » fit monsieur dans un sourire qui lui fendait la face en deux. Marie remarqua que les boutonnières étaient munies de serrures et de clés et que la robe s'ouvrait comme une boîte métallique en graissant. Mais elle n'y porta pas très attention. Lorsque la robe fut ouverte à la manière d'une malle placée sur le côté, Marie s'y glissa en levant un peu les bras pour enfiler les manches. La robe se referma d'un claquement sec. Fait surprenant, on se sentait très à l'étroit à l'intérieur de la robe, alors que de l'extérieur, elle paraissait très ample. Et les longues manches se tenaient raides. Ce qui fait qu'on était obligé de garder les bras éloignés du corps dans une position assez inconfortable. Et c'est seulement après qu'elle se fut refermée sur elle que Marie s'aperçut que la robe était rivée au plancher à l'aide de gros boulons. Marie avait enlevé ses chaussures un peu plus tôt dans la soirée et le froid de la plaque de cuivre sur laquelle était boulonnée la robe lui était déplaisant. Marie aurait bien voulu sortir de la robe tout de suite, mais elle s'était vite rendue compte qu'elle ne pouvait plus bouger et qu'il fallait attendre le bon vouloir de monsieur pour pouvoir être délivrée. Marie commençait à avoir peur. Monsieur s'était installé dans un fauteuil en face de la robe et il regardait Marie. Il ne souriait plus. Quelque chose d'horrible ressemblant à de la haine, s'était collé à son visage qui grimaçait d'une façon effroyable. Sa bouche était tordue d'un tic nerveux. Ses yeux étaient grands ouverts et presque sortis de leur orbite. Il respirait très fort et ses ongles lacéraient le cuir du fauteuil. Marie se mit à pleurer en le suppliant de la délivrer. Monsieur se leva brusquement et la fit taire d'une gifle. Il s'approcha ensuite du foyer et se prépara à allumer le feu. Marie comprit ce qui allait lui arriver et se mit à hurler comme une folle. La robe de métal était très, très près du foyer, presque dans le foyer. Monsieur se tourna lentement vers Marie et lui dit « Je suis très heureux, mademoiselle, de vous avoir pour dîner. » Fin
Donc, j'espère que vous avez apprécié cette histoire et je vais vous souhaiter une belle fin de journée.